Alors, ce qui est très beau dans ce cristal, ce sont les voiles intérieures. Ce sont ces mouvements internes dans la transparence générale qui attirent l'œil, quoi. On peut peut-être opposer un peu à ce plaisir le fait que ces mouvements qui ne sont pas contrôlés dans la technique sont un peu en contradiction avec la forme générale. Est-ce que ces mouvements, finalement, ne seraient pas mieux mis en évidence dans une forme plus neutre? Les voiles seraient l'intérêt du sujet. Ici, il y a les voiles et une forme. Et les deux, je trouve, ne sont pas tellement en accord, quoi. On ne sait pas où est le choix. Ça me pose problème. Dans le microscope, c'est un peu l'inverse. La forme exprime comme un outil de regard vers l'intérieur. Il y a des cylindres, il y a des sphères tronquées, et les faces très brillantes, transparentes, expriment bien le regard vers l'intérieur. Là, je trouve que c'est un bon équilibre. On a une sorte de petite machine à regarder à l'intérieur, et la forme générale et les faces polies expriment bien ça. Là, il n'y a pas de contradiction. On voit l'objet dans sa forme générale, et le regard est ensuite porté vers les zones où on a à regarder vers l'intérieur. Tout exprime bien la fonction. Il n'y a pas de contradiction du tout ici. C'est même très bien. Dans ce bloc, qui est comme un bloc issu de la chute d'un mur, ça s'est écroulé. On n'a pas de sophistication des parties transparentes, regard vers l'intérieur pour les voiles et compagnie. On a simplement une cassure. Donc on a un objet, un fragment de quelque chose, dont on voit d'ailleurs sur la gauche comme un sommet d'un bloc de mur, quoi. Et ça s'est cassé, et c'est la cassure qui est la transparente. D'ailleurs, c'est réalisé, pas du tout en polissant, c'est issu comme ça, par taille, véritablement au burin. C'est incroyable, au burin, on éclate la matière qui révèle évidemment l'intérieur qui est transparent. Donc ça, c'est autre chose. C'est quelque chose de rude, de cassé. Donc, c'est le tout qu'il faut regarder. L'intérieur n'est pas le but. C'est l'opposition entre quelque chose de transparent et lisse qui exprime cette brisure de l'ensemble. Alors, comme exemple aussi, dans les démarches brutales ou premières, ces recherches sur la non-forme, quoi. Ça se veut pas être plaisant du tout, ça se veut pas être harmonieux du tout, ça se veut être simplement, voilà. Ça découle de la cire, ça vient de soi, ou presque. Il n'y a pas de démarche esthétisante là-dedans, loin de là, c'est au contraire. Ce qui est recherché, d'ailleurs, c'est la non-esthétique. C'est la forme. On dirait pas brutal, ça c'était le précédent. C'est la non-forme. Voilà. Il n'y a pas d'intention, si on peut dire. Parce qu'il y a l'intention de ne pas avoir de la forme, bien sûr, mais. Et ça me plaît beaucoup. J'ai toujours poursuivi cette recherche de la non-forme. Ça ne veut rien dire. Ça ne cherche rien. Alors, dans cet objet, on a un objet avec des mouvements et des faces et des directions différentes. Ils sont striés par l'attaque, c'est vraiment l'attaque, on creuse, d'un disque qui
Et ces stries, ces rainures, sont composées pour confirmer, accentuer le mouvement des faces. Donc ça, c'est bien. Il y a un équilibre. Donc l'intérieur importe peu. La lumière qui vient de l'intérieur, ça, c'est important. Mais ce qui se passe à l'intérieur importe peu, c'est plutôt l'ensemble. Volume, face, mouvement, estrie, rainure. C'est plus sophistiqué, donc. Je dirais que c'est plus objet. C'est moins intention. C'est certainement pas intention de la négation de la forme. C'est plus l'objet qui se confirme dans la lumière. C'est cristallin. Hein. Alors, dans ce dernier exemple, c'est fait tout récemment. Retour aux formes géométriques de base. Curieux retour. Le vocabulaire est ici très simple et répétitif. C'est souvent le même rectangle, le même triangle, les mêmes lances étroites de verre. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de jouer sur peu de texture. Il y a du sablé, il y a du transparent comme le vitrage. Il y a des bords nets et des bords échancrés. Et aussi, en plus, il y a des interpénétrations de forme. Ça se perce. Et d'ailleurs, si ça se tient debout, c'est parce que c'est calé et que les pièces se tiennent entre elles. Sinon, ça ne tient pas, ça se décompose. C'est tout plat. Si on... ça se monte, c'est une pièce qui se monte. Alors, dans la très grande simplicité et le retour un peu dans l'esprit d'avant, la forme géométrique abstraite, on obtient des montages assez inventifs, qui n'expriment pas des masses, évidemment, mais qui permettent à des espaces d'air d'exister sous les faces, entre les... Ça coule entre les formes. Et donc c'est spatial tout en étant plan, essentiellement dans le vocabulaire, bien sûr. Alors c'est tout à fait différent de ce qui a pu se passer. C'est une belle expérience et on verra après d'autres choses.